Maintenant, on va voir comment créer une nouvelle base de données Access. Alors, lancez Microsoft Access 2010 ou bien 2007 par exemple. Sélectionnez base de données vide. Saisir un nom pour votre base de données, par exemple gestion. Client par exemple. Vous pouvez cliquer sur créer. Alors, fermez la table. Clic droit fermé. Vous pouvez cliquer sur créer. Vous pouvez création de table. Saisir ici le premier champ, par exemple, numéro de client. Ici le type, c'est un numéro numérique. Alors, ici, entière langue, décimale, auto, etc. Format, vous pouvez saisir un format ici, par exemple, 4-0. Saisir le deuxième champ ici, nom, par exemple. Type texte, taille de champ, par exemple, 35. Puis prénom, le même texte, exemple 35, etc. Adresse, texte, ici, la taille 255 par exemple, numéro de téléphone, donc téléphone. Numéro, type, format, 10-0 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le format de téléphone. Email par exemple. Email. Texte. La taille 50 par exemple. Texte, la taille 200 par exemple. Pour chaque table, on doit définir un clé primaire. Alors, sélectionnez la ligne clé primaire. Vous cliquez sur clé primaire. Donc, la table a été définie comme clé primaire. Enregistrer. Alors, donnez un nom pour votre table, par exemple client. Cliquez sur OK. Et voici la table client a été créée. On peut créer d'autres tables. Cliquez sur Créer. Création de table. Saisir ici le champ. Date. Donc le numéro c'est un type numérique. Numérique, date, type date, format de la date, /00/40, billetage, etc. 3 points. Vous pouvez saisir d'autres champs ici. Alors, merci et à la prochaine séance, Inch'Allah.